Voilà, bonsoir tout le monde, euh, bonsoir. Bienvenue à cette euh, conférence de l'Allier sur les arts à l'ère des nouvelles technologies. Alors d'abord, merci au Lentis et à son directeur Robert faggy Merci de nous accueillir pendant la journée porte ouverte du lantis. c'est très apprécié, c'est un endroit très agréable. On va le voir au milieu d'autres activités qu'on a déjà, euh, pour plusieurs d'entre nous, euh, eu l'occasion de voir. Alors voilà, que devient l'art au contact de ces technologies elles ont donné naissance à de nouvelles formes d'expression artistique. Elles favorisent l'interdisciplinarité, on le voit, et elles donnent peut-être aux artistes eux-mêmes une nouvelle vision de leur rôle et de leur place dans le monde de l'art. Alors voilà, ce soir, vous allez entendre trois personnes que ces questions passionnent depuis très longtemps et qui vont d'abord partager leurs réflexions avant de répondre à vos questions dans un deuxième temps. Alors je vous les présente. Vous entendrez tout à l'heure Viviane Paradis, directrice artistique du Festival international Le Mois multi, bonsoir Viviane, et Robert Faggy, professeur en littérature à l'université Laval et directeur du Lantis, donc ce laboratoire des nouvelles technologies de l'image et du son et de la scène. Mais d'abord, Jocelyn Robert. Alors, qui est Jocelyn Robert à votre gauche? Il est directeur de l'école des arts visuels de l'université Laval et fondateur, longtemps président, jusqu'à tout récemment en fait, d'Avatar, cet organisme voué à la recherche, la création, la diffusion et la distribution en arts audio et électroniques. Il travaille lui-même en arts audio, en arts informatiques, en performance, en installation, en vidéo et écriture. Il a réalisé plusieurs performances. A publié une quinzaine de CD en solo. Ses travaux, ses expositions ont fait le tour du monde. Il a remporté plusieurs prix, dont le premier prix, catégorie images de la transmédiale de Berlin, et le prix du rayonnement international décerné par le Conseil de la culture du Québec, de Québec. Et ses textes, entre autres, sont publiés au Canada, comme en Allemagne, ou aux États-Unis. Donc voilà un artiste et un créateur qui rayonne vraiment très loin de cette université de ce lieu. Jocelyn Robert, je vous invite à y aller. De votre premier exposé? Ben, d'abord, je vais faire la différence. Je ne me souviens pas qui a dit ça. Euh, un, un, une table ronde est à une conférence ce qu'un essai est à un mémoire. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a dit, en fait, mais je vais vous le dire tout de suite. Alors, c'est un peu ça. C'est une intervention dans le cadre d'une table ronde. Le propos, c'est l'art interactif et l'abolition des privilèges. Et l'idée, c'est de regarder l'apparition de ce qu'on appelle l'art interactif historiquement. Euh... <laughs> C'est un peu avant. Ça, c'est Corneille. Euh, en 1637, il a fait quelque chose d'un peu. Euh, qui était polémique, en fait, qui a créé beaucoup de remous autour de lui. Il a réclamé le... la paternité de son cid. C'est-à-dire qu'à l'époque, on travaillait comme artiste sous la commande de, de la monarchie ou des, des, des gens proches. Et lui, il a dit non, non, mon succès, c'est le mien. Euh, je suis l'auteur de ma pièce et euh, si les gens l'ont aimé, ça me suffit. Même si le roi va euh, trouver ça vraiment intéressant, ça a été incroyable comme tolé. Il a pris position comme une personne, hein, ce qui était déjà annonciateur de d'autres choses qui s'est passé un petit peu plus tard, qui a aussi laissé des traces et qui s'appelait la Révolution française. Donc euh, la, la Révolution française, c'est assez intéressant. Évidemment, on a 20 minutes, on va survoler beaucoup de choses, mais le Bien, quand on part de si loin, hein, il faut qu'on saute quelques <laughs> étapes. Mais on était dans toute l'idée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, la population prend une place. On, on, on essaie d'éviter. Euh, C'est ce qu'on appelle. Le, le, le... Quand ils ont fait des comités consultatifs dans toutes les régions, la chose qui revenait le plus souvent, c'était l'abolition du système de deux poids, deux mesures. Pour nous, c'est juste une expression, deux poids, deux mesures. À l'époque, c'était le fondement du commerce. Il y avait un système de poids pour le, le, la monarchie et les nobles. Il y avait un système de poids pour la, les paysans. On mesurait les choses différemment. Donc, ce n'est pas par hasard C'est à ce moment-là, il arrive le système métrique. Et au, au même moment, en Grande-Bretagne et aussi tranquillement dans le reste de, de l'Europe, ça va décoller beaucoup en Allemagne, le processus d'industrialisation. C'est deux choses que je vais essayer de mettre en parallèle. Le stométrique est intéressant parce qu'il est un peu entre les deux, un peu plus abstrait, il les relie un peu. Autre étape, dans le même cheminement, 1963, le Salon des Refusés. Jusqu'à 1963, quand on voulait être un artiste, il fallait que ces toiles soient achetées par le gouvernement. Et, et c'était très contrôlé, tout ça. Alors, on, il y avait un salon annuel, on soumettait ses œuvres, éventuellement, l'État. Choisissait qui allait être un artiste, quelle œuvre était recevable. Et, et c'était très contrôlé. Sauf que cette année-là, il y a eu tellement d'offres et tellement peu d'acquisitions que les gens, ce sont, les artistes se sont organisés, ils ont organisé leur propre salon des refusés. Ça a fait un tollé, on repart, ça y est. Et euh, l'État a dit, attendez un peu, là. Euh, Finalement, peut-être qu'on devrait laisser les choses aller, puis laisser le public, uh -huh, Corneille qui revient, laisser le public décider de ce qui est recevable, ce qui ne l'est pas, laisser les artistes produire, puis laisser cette chose-là se faire sans que l'État intervienne directement dans qui est un artiste, qui n'en est pas un, quel est l'art recevable, quel, quel est l'art qui n'est pas recevable. Donc, on a une progression de ce rôle-là, cette indépendance-là de de l'artiste comme personne. Les deux trucs Juste pour se rappeler, les deux trucs continuent en parallèle. L'industrialisation de l'Europe continue, du nord de l'Amérique euh, euh, va bien aussi. On s'arrange d'ailleurs pour que en, dans le nord de l'Afrique, puis qu'ailleurs, ça se fasse pas trop vite parce que ça on a un avantage industriel. Et euh, on a des choses comme la première bicyclette. L'industrialisation, en même temps qu'elle donnait le pouvoir à quelqu'un d'autre que la monarchie, euh, donnait aussi des pouvoirs aux citoyens ordinaires. Une des choses qui est les plus remarquables. Pour nous, c'est tellement évident que ça ne nous vient pas à l'idée. Mais jusqu'à la fin du 19e siècle, la mobilité individuelle, oubliez ça, ça n'existait pas. Le nombre de personnes qui avaient des chevaux, c'était presque rien. Alors, quand tu voulais aller voir ta sœur qui restait dans le village à côté, tu partais pour la journée. Ou tu essayais d'embarquer dans la malle, dans la poste. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec un nouveau processus de vulcanisation. On peut faire des pneus, on fait des bicyclettes, puis tout le monde, tout d'un coup, peut se déplacer tout seul. Donc, y a encore une. une un empowerment, pardon, de, de des individus, une prise de pouvoir. Oui, mais c'est pas pareil. Oui. Mais bon, on, on est, on, il y a une nuance. Il y a une nuance. Une, une, ouais. En tout cas. <rire> <rire> Mettons qu'on va passer à l'autre diapo, ça va nous aider. <laughs> Donc, donc, les artistes continuent à prendre de plus en plus cette euh, même attitude que la population prend, c'est-à-dire prendre leur propre voix. Ce qui est une nuance dans Empowerment, qui est pas si mal prendre sa propre voix. Et on, on voit, j'ai trouvé l'image drôle parce que ça c'est Marcel Duchamp. On va parler, je vais vous en parler pas mal de Marcel Duchamp pendant les prochaines minutes. C'est un peu euh, un, un point tournant son travail, l'évolution de l'art et ce discours-là. Et c'est drôle de le voir avec une roue de bicyclette parce qu'évidemment les objets industriels on les a récupérés. Donc Marcel Duchamp. Son lien avec ce qu'on appelle l'abolition des privilèges et ce mouvement-là que, que je fais partir en, en 1637, mais vous le ferez partir quand vous voudrez, de toute façon, il est parti quand il, voulu. Euh, il y a voulu, c'est... il y a deux contributions directes. La première, c'est l'inclusivité. On ne peut plus exclure. Il y a certains domaines de l'art où on le fait encore, là, mais notamment en art visuel, tu ne peux plus dire à quelqu'un, « Ça, ce n'est pas de l'art. » Si quelqu'un te dit, « Ça, c'est mon œuvre un matin. » T'es obligé de le regarder comme une œuvre. Tu peux dire ça m'ennuie longtemps ton affaire, puis c'est pas drôle. Mais ça demeure tu viens d'annoncer une, 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 une transaction artistique. Je, je t'offre un contrat. Je t'offre une relation entre toi et moi. Ça, c'est mon œuvre. Regarde-la comme une œuvre. Regarde-la avec mon intention dedans. Bon. Donc, on peut plus exclure des choses. Avant, il fallait un certain une certaine technique. Il fallait un certain encadrement. Il fallait une certaine tradition. À partir de Duchamp, c'est plus vrai. Tout peut être une œuvre d'art. Et le corollaire de ça, ben puisque tout peut être une œuvre d'art, tout le monde peut faire de l'art. Parce que la virtuosité est maintenant euh, un, un, un accessoire. On va regarder ce que ça a donné dans sa propre démarche. Marcel Duchamp, disons, de 1915 à 1945, à peu près, ses, ses grandes œuvres. Je ne vous donnerai pas les dates pour chacune, mais tout peut être une œuvre d'art. Donc, il a, il, a, il, a, il a commencé à intervenir sur son propre corps, ce qui est assez courant maintenant. À l'époque, il était inédit. Euh, il a fait des œuvres cinétiques. Pour nous, maintenant, c'est assez évident. À l'époque, c'était complètement impensable. Il est intervenu sur l'œuvre des autres. Il a pris un posture de la joconde. il a fait une coupe de moustache, puis il a fait une blague plate en dessous. <laughs> <L> poignez <'apprenez> vous <laughs> euh, il, a, il a été un peu plus loin que ça. Il a signé des objets euh, industriels avec les polémiques qui sont venues avec. Et il a fait ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire que lui-même est, est devenu une pièce dans son œuvre. C'est allé assez loin pour que tout ce qu'il faisait, il dit moi j'ai vécu. À la fin de sa carrière, c'est comme ça qu'il résumait ses trucs. Donc, le, 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 le corollaire, par rapport à son œuvre à lui, il n'y a plus de virtuosité requise et j'ai ajouté quelque chose, ce qui permet la participation active du spectateur. S'il n'y a pas de virtuosité qui distingue l'artiste du spectateur, ça devient juste une question de position. Quelle position je prends devant l'œuvre alors, il a fait des œuvres lui-même, mais c'est des œuvres qui permettaient l'action de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, quand il fait une œuvre comme ça, c'est un objet. Quand je fais tourner l'œuvre, quand je fais tourner la roue, c'est autre chose. Et c'est moi qui le fais. Donc, je, viens, je deviens participant à cette chose-là. La même chose avec Abri Secret, qui est un drôle de petit projet. Il a assemblé ces choses-là, mais il a laissé le, le, le couvercle un peu séparé. Et il est sorti de la pièce en demandant à un ami, mets quelque chose dedans. Quand il est revenu, il a simplement vissé ça. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais quand on le bouge, ça fait des sons. Donc, même chose. Mais là, on a deux types d'interventions de personnes qui ne se présentent pas artistes, mais qui participent à l'œuvre. Donc, ça a eu un impact. Par la suite, jusqu'à euh, récemment, on, on a commencé, par exemple, à faire du collage. On peut... Il y a d'autres mondes qui en faisaient. Ce n'est pas que du chant, mais on peut relier ça euh, à cette mouvance-là. On a commencé à faire des, des machines. On fait des assemblages mécaniques qui n'ont pas de fonction, donc ce n'est pas une laveuse, c'est une œuvre de Tinguely qui éventuellement se défroie ou frotte des sons ou etc. On a pris des procédés industriels pour fabriquer des images. On a fait des sérigraphies à grand tirage. Warhol même un peu dans la même limite du champ, choisi des objets manufacturés qu'il a simplement récupéré, signé etc. Et on est allé vraiment très loin là-dedans. On a même envahi la rue, donc tous les objets qu'on a vus précédemment s'inscrivaient dans des lieux de l'art et même le lieu de l'art, euh, la, la, la validation qui arrivait avec le lieu a elle-même été mise de côté. Le corollaire tout le monde peut faire de l'art. Donc ça brouille la distinction artiste spectateur, puis ça rend la, la participation active du spectateur. Guy Debord a pas mal écrit là-dessus. Une des choses que, de, que je trouve que Debord a apporté à ce débat-là. C'est euh, l'idée que, bien écoutez, si, euh, dans une perspective très marxiste, Debord était dans cette perspective-là, euh, si on fait l'abolition des privilèges, puis qu'on fait l'abolition des, des distinctions de classe, il va bien falloir faire l'abolition la, de la distinction de classe sociale qu'on appelle artiste. On va vivre avec ça. Alors, par exemple, il y avait sa, sa fameuse euh, dérive psychogéographique. On peut errer dans la ville et avoir un regard créateur et en faire une œuvre quand on se déplace, un peu ivre si tout va bien. Et il y avait d'autres artistes qui ont travaillé un peu avec les mêmes principes, c'est-à-dire quelqu'un comme capro a organisé ce qu'on appelait des happenings où il, il, il installait des dispositifs. Qui étaient susceptibles de, de supporter ou de générer des actions. Et les gens qui étaient là pouvaient participer. Parfois, il y avait des, 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 des partitions très élaborées. Parfois, des gens improvisaient des actions. Donc, ce, cette division-là, artistes et spectateurs, était de plus en plus mince, au point où des gens qui ne savaient pas jouer de la guitare sont devenus des, euh, des héros pour des gens qui ne savaient pas écouter de la musique non plus. Et tout ça, c'était très bien. Et ça a très bien marché. Merci. Alors, on était vraiment dans une grande mouvance et on s'est ramassé avec des trucs comme ça, Woodstock, où on pouvait se demander très, honnête, très honnêtement, est-ce que l'événement est sur la scène, est-ce qu'il est dans la salle ou est-ce que la question a du sens C'était l'événement dans son entier qui était une manifestation de créativité, puis on y prenait part jusqu'où on voulait et on le lisait comme on voulait. Évidemment, si on prend part comme ça à l'art, on peut aussi prendre part à la politique. Et ça, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde. Donc, l'art est devenu inclusif, tout peut être une œuvre d'art, et corollaire de l'abolition des privilèges, des privilèges, la participation active est possible pour tous. En même temps, on a vu au début, il y avait le développement de l'industrie. Cette industrie-là continue à se développer. Après la guerre, L'industrie, euh, on, on parle souvent du complexe militaro-industriel. C'est une traduction francophone. En, en, aux États-Unis, ils vont parler de la triade, parce que le troisième élément de ça, c'est l'université. C'est en fait le, le complexe universitaro-militaro-industriel. Et ça, c'est devenu une machine étatique, très solide, très performante. En partie à cause de euh, Vannevar Bush. Après, quand la, les États-Unis sont entrés en guerre, le président est allé voir ce type-là, qui était quelqu'un de brillant, et il a dit « Écoute, si on embarque en, dans la guerre, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, il faut qu'on soit prêt parce que ça, ça va être un gros coup. Il faudrait trouver moyen d'arrimer notre force scientifique à notre machine militaire. » Vannevar Bush a pris ça en main et il a bien réussi. On a vu tous les progrès militaires qu'il y a eu pendant la, la Deuxième Guerre aux États-Unis. Quand la guerre était finie, ce type-là était, était dans une position idéale. Ses projets pouvaient être supportés. Quand il y avait une idée, on disait oui. Alors, euh, ça, ça me rappelle autre chose. Quand, euh, non, bref, je vais vous la raconter une autre fois. Donc, <laughs> euh, donc, donc lui, ce qu'il a, qu a trouvé très, très dur pendant la Deuxième Guerre, c'est le fait qu'il y avait des réponses qu'il cherchait qui étaient probablement dans le bureau du voisin. Et il n'y avait pas accès. Euh, la vulcanisation des caoutchoucs pour euh, les pneus d'avion, par exemple, c'est une question essentielle. Euh, le nylon pour les bas des parachutistes. Les, les parachutistes sautaient en avion, ils se gelaient les jambes. Ça prenait un tissu pour faire des bas particuliers pour pas qu'il y ait froid. C'était dans le bureau du voisin, tu ne le savais pas. Donc, après ça, il a écrit un texte qui, qui est un texte charnière dans cette histoire-là, qui s'appelle As We May Think. Vous pouvez le trouver sur le web, c'est facile à trouver. 47, si mémoire est bonne. Où, tenez-vous bien, il invente Google, il invente le scanner. Il invente la webcam, il invente le réseau, euh, tout est là, il y a des dessins. Et c'est le projet technique qu'on est en train de mettre en place depuis 50 ans, depuis 60 ans. Donc ce projet-là, euh, euh, cette, cette, cette machine-là, industrie, université, militaire, est très forte. Et elle se développe en parallèle. Et curieusement, les deux modèles arrivent en collision. J'ai écrit en collision, je trouvais que le... c'était en bas de la feuille, là, mais je n'étais pas sûr si c'était collision ou collusion dans ce cas-ci. On arrive à ce qu'on appelle l'art interactif. Et c'est cette question-là particulière que je veux poser. Pourquoi, tout à coup, dans l'histoire de l'art, on commence à parler d'art interactif, alors que depuis 1637, il y a quelqu'un qui dit Hey, on a tout le droit d'être des artistes. On a tout le droit d'intervenir, tout un chacun ici, on a le droit d'être créatif au moment qui nous convient, pendant le temps qui nous convient. Comment ça se fait qu'à la fin des années 60, tout à coup, on dit ⁇ Ah, tiens, on va inventer l'art interactif ⁇ avec tout le beau discours qui dit ⁇ On veut donner une place aux spectateurs pour qu'ils participent à l'œuvre ⁇ Ça commence autour de 55. Il y a quelques projets qui sont des projets actifs, qui ne sont pas des projets nécessairement interactifs. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses quand les conditions changent. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a juste leur, leur output pour autant. La, une des premières œuvres qu'on considère... Dans l'histoire de, des arts médiatiques, si vous ouvrez des livres sur les arts technologiques, ce genre de choses-là, c'est Glow Flow de Maren Kruger. C'est l'exemple typique. Encore aujourd'hui, mes étudiants dans des cours d'art électronique, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est le paradigme qui a été installé à la fin des années 60 sur ce qu'est l'art interactif. Je veux faire une pièce dans laquelle les gens entrent. Quand ils marchent, il se passe quelque chose. Quand vous êtes en première année au bac en art visuel, la, la, le détail de cette phrase-là, c'est quand ils entrent, l'image vidéo change. C'est encore ça qu'on a dans l'idée. Puis là, tout de suite, ils se rendent compte que quand ils entrent, ça ne marche pas. Quand il y a sept personnes qui rentrent dans une galerie, l'image, elle change comment? Puis ça veut dire quoi? Ouais, ça ne marche pas vraiment. On va les faire rentrer un par un. Et c'est exactement ce modèle-là. Ce modèle-là était fait pour une personne à la fois. Et pour une installation d'art électronique, c'est pas mal. Il n'y avait pas d'artistes dans le projet. C'était des programmeurs informatiques dans le milieu universitaire qui avaient accès à ces technologies-là. Alors, ce modèle-là s'est développé, il y en a plein, plein, plein dans le, les années 70. Euh, la personne passe, ça c'est un modèle intéressant parce qu'on voit le schéma de construction, passe devant des senseurs, ça déclenche un projecteur, passe devant d'autres senseurs, ça change le son. C'est le paradigme de l'installation interactive qui marche mieux avec une personne et dont, c'est ça le bout intéressant, et dont tous les, toutes les choix sont programmés. Euh, alors, on peut faire ce qu'on veut devant une caméra dans le système de David Rugby. Et la réponse, ça va être de la musique, mais de la musique avec les sons que l'artiste a mis dedans. Alors, c'est super parce qu'en même temps, on décide ce que seront les choix du spectateur. Alors que quand on était à Woodstock, il faisait bien ce qu'il voulait, hein, on s'entend. Mais là, on décide ce que seront les choix du spectateur. En même temps, on surveille ce qu'il fait. Puis en même temps, l'artiste reprend ses droits. Alors que dans les années 60, on disait, ben là, euh, il va bien falloir abolir la classe de c'est quoi un artiste, puis c'est quoi qui n'est pas un artiste. Là, étant donné qu'on est dans une technologie dispendieuse, puis une, une expertise, j'arrive à la fin, ça donne bien. Euh, ben, l'artiste, c'est l'artiste. Puis si vous ne comprenez pas, vous avez juste appuyé sur le piton, ça va, ça va allumer le projecteur. C'est le modèle qu'on a dans, dans la majorité des œuvres qu'on appelle art interactif, qui sont dans les livres d'art médiatique. Au lieu de vous faire faire du vélo d'art, puis que vous puissiez rencontrer quelqu'un, puis éventuellement coucher avec. Ben non, vous êtes dans un, dans, dans un espace contraint, euh, fermé, vous avez une image et vous êtes seul sur votre vélo. Vous rencontrerez personne, vous allez passer devant des textes, puis il y a tout un beau euh, discours qui va avec ça et ça vous donne le pouvoir d'agir sur l'œuvre. Même chose, c'est une autre œuvre typique de cette époque-là, un québécois, Luc Courchain qui, est, qui a étudié au MIT. Le MIT, qui c'est qui subventionne le MIT? Bref... Euh, Portrait numéro un, qui est un portrait qui vous parle, avec lequel vous pouvez interagir, mais évidemment dont toutes les réponses à vos questions sont prédéterminées. Donc, vous pouvez choisir républicain ou démocrate si ça vous tente. Et c'est intéressant de voir que dans les années 15-20, Frank Gilbert avait, Gilbert avait déjà commencé à faire ça. Il avait déjà commencé à mettre des censeurs sur les gens qui travaillaient en usine pour optimiser le rendement industriel. On prenait le meilleur travailleur, on le faisait travailler, on regardait c'est quoi ses gestes, on disait aux autres vous faites pareil. Alors, c'est le même modèle qu'on a transporté dans le monde de l'art technologique et avec lequel on vit encore maintenant. C'était inspiré des travaux de Murray, de Moybridge. Et maintenant, on peut dire I like. On peut même plus dire I dislike. On n'a plus le choix de oui ou non, on fait juste I like. Merci. Merci. Alors. Euh... Merci beaucoup, Jocelyn Robert, euh, de ces propos très provocateurs, ma foi. Alors, euh, vous allez sûrement y réagir euh, dans la période de discussion avec la salle ensuite. Alors, on passe à la deuxième intervention, Viviane Paradis. Euh, je vous le disais, directrice artistique du Mois Multi, ce grand festival international d'art multidisciplinaire et électronique, dont la quatorzième édition se tiendra, entre autres, au complexe Méduse à partir de demain, 31 janvier, jusqu'au 28 février. Alors, Viviane, après des études en littérature, en histoire de l'art et en esthétique à Québec et en France, elle a œuvré au sein de plusieurs organisations artistiques réputées du domaine des arts visuels et multidisciplinaires. À titre de directrice artistique euh, ou de commissaire et de gestionnaire culturel, elle a mené de nombreux projets de diffusion et d'édition et elle est directrice artistique du Mois Multi depuis 2011. Alors, Viviane, je vous invite à poursuivre. Je préparé quelque chose. Je vais vous présenter un peu mon multi, euh, d'où il vient, parce ce est passé, quelques œuvres aussi, des de, de, dernières années emblématiques. Je vais me contenter autour de ces questions-là. Je vais peut-être ajouter de l'huile sur le feu que Jocelyn a mis, mais on, on va voir. Alors, donc, euh, euh, je vais tout de suite commencer. C'est quelque chose que je voulais dire un peu plus tard. On m'a invité, donc, pour les arts à l'ère des nouvelles technologies, j'avais tout de suite une... Euh, tout de suite, j'ai accroché un petit peu sur la question de le terme nouveau parce que ça fait quand même. Juste là, on dirait quoi? 15 ans qu'on utilise l'expression nouvelle technologie ou nouveaux médias », 20 ans qu'on est dans ce paradigme Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans cette, euh, cette nouveauté? Je pense, par exemple, que ça, à quoi on réfère au juste en termes de nouvelle technologie? Le vocabulaire évolue, hein, comme on le sait, le terme nouveau, euh, on a souvent longtemps parlé par exemple de nouveaux médias, puis ensuite c'est devenu on a ce qu'on appelle les arts électroniques, puis maintenant on utilise de plus en plus la terminologie art numérique. Euh, par exemple, pour référer à, au même type de pratique qui est, qui est en évolution. Alors, bon, je voulais juste un peu euh, poser ça parce que je m'étais questionnée tout de suite en, en recevant cette invitation. Revenons à, à nos moutons, à ce qui m'anime, euh, surtout à partir de demain avec Le mont Multi. Donc, Le, le mont Multi, c'est un festival on en est à la 14e édition qui a été fondée en 2000. C'est un événement qui est créé, qui est organisé par la compagnie Recto-Verso. C'est une compagnie de production en armes multidisciplinaire qui a été fondée en 84 à Matane, puis qui s'est envenue à Québec dans les années 90, qui est à Méduse depuis son ouverture. Uh, Recto Verso, c'est vraiment produit de nombreuses créations en art multidisciplinaire qui ont été diffusées un peu partout. Uh, Recto Verso aussi s'occupe à, à Méduse, de la coopérative Méduse, coopérative de, de diffuseurs en, en art. Uh, il y a deux outils magnifiques, là, la salle Multi et le studio d'essai, dont le studio ici uh, s'inspire uh, et proche de la salle Multi, si vous voulez, cette immense boîte noire immensément malléable uh, dans laquelle on peut faire. Uh, on peut aller explorer n'importe quelle forme euh, différente parce que la salle est transformable. C'est euh, au cœur des paradigmes en disciplinaires multidisciplinaires d'avoir ce type d'espace qui n'est pas fixe parce qu'on ne travaille pas avec des formes fixes. Alors, euh, est la création du festival Malmöside, donc en 2000. C'est venu euh, l'idée pour essayer de combler aussi un peu un vide, un manque qu'il y avait dans le réseau de diffusion, si on veut, parce qu'il n'y avait pas vraiment de plateforme de diffusion pour ce, les types de pratiques, les hybrides, les arts multidisciplinaires, euh, que ce soit en, en forme plus scénique ou installative. On était vraiment dans un... Recto Verso était un peu dans un pour employer une belle expression anglaise, dans un in-between au, au cœur des réseaux de diffusion. Alors, une, des plateformes qui nécessitent vraiment une souplesse, une ouverture euh, aux différentes formes euh, qui interpellent Recto, où la question technologique est aussi devenue rapidement un des moteurs de la pratique multi, telle qu'elle est conçue à Recto. Alors, le festival est devenu d'abord consacré aux arts multidisciplinaires, puis, et ensuite rapidement aux arts électroniques, euh, vraiment dans cette idée de toute l'expression de leur diversité. Alors, si je continue. Alors, le, le mot multi présente dans une même importance tant des, des installations des performances. Euh, au cours des ans, c'est vraiment devenu un événement fort. Ou sa j'ai envie de réagir tout de suite à ce que Jocelyne disait, mais je vais quand même continuer là mon fil conducteur. Parce que le, au sein du mot multi, la question de l'expérience du spectateur est au cœur des œuvres qui sont diffusées dans le cadre du festival. Euh, on essaie de proposer des. Avec les œuvres, les œuvres qu'on présente essayer de proposer des contextes de perception puis de réception euh, différents euh, aux spectateurs qui, euh, qui viennent au festival. Dans le cadre un peu des univers, j'aime bien utiliser l'expression prismatique des arts multidisciplinaires en termes de multifacettes parce qu'on est dans ce registre qui se fonde vraiment sur une hybridité des pratiques artistiques de la conception de l'œuvre, où les moyens technologiques qui sont mis en œuvre euh, viennent renouveler, bousculer vraiment notre apport à l'art, au monde, je pense. Euh, alors, ça peut prendre tellement des formes diverses qu'on peut présenter, des performances multidisciplinaires, bien sûr, des dispositifs interactifs, <laughs> des œuvres robotiques, des installations sonores, lumineuses, vidéos, cinétiques, mais aussi des parcours audio, des cinémas immersifs, théâtre technologique. C'est quelques-unes des, euh, des multiples formes qui peuvent prendre l'une ou l'autre des œuvres qui sont présentées au festival. Mais l'une euh, ou l'autre, je mets des termes définis, mais à chaque année, euh, au cours des découvertes qu peut, que je peux faire en me promenant ici, ailleurs, ou en suivant les travaux d'artistes, euh, le travail en cours de plusieurs artistes, on arrive encore avec des formes, des façons de faire qui viennent encore nous surprendre, euh, On ne s'entendrait pas au coin de la rue de tomber sur ce type de, de projet ou d'avenue en termes de diffusion. Alors c'est là que je pense que le festival agit un peu comme un vecteur essentiel de ces pratiques en multidisciplinaires multidisciplinaire et électronique à l'œuvre, d'essayer de leur donner une place, une visibilité, une accessibilité à ces œuvres en, en constante évolution. Euh, je réfléchis ça, je reviens à tantôt quand je me positionnais par rapport à un peu cette idée de nouvelles technologies. Euh, je trouve. Je... Il y avait une de mes réflexions là-dessus, c'était aussi que euh, depuis, je pense, le début des années 2000, même un peu avant, c'était un peu un truisme de constater la présence grandissante de la part des nouvelles technologies dans les pratiques artistiques actuelles. Euh, C'est vraiment. Euh... Excusez-moi, je vais me retrouver. Alors. Euh... Puis surtout en art visuel, on c'est vraiment euh, l'accessibilité grandissante aux appareils technologiques, euh, je pense tant en termes économiques, parce que les technologies sont de moins en moins dispendieuses aussi, mais la disponibilité des technologies qui sont prêtes à l'emploi provoqué, je trouve entre autres une vague de fond dans le milieu des arts visuels où euh, la part euh, les arts visuels où on prépare de la vie expression, les beaux arts où tranquillement la vidéo est devenue un des, nouveaux, un, un des beaux arts si on peut dire puis les dispositifs sonores le son puis enfin les, les, les dispositifs interactifs euh, qui sont grandement immiscés dans les pratiques qu'on pourrait qualifier d'arts visuels mais là on, on dérive un petit peu je vais quand même aller tout de suite un peu dans le vif du sujet. Je voulais vous présenter un peu des projets qui ont été présentés au MoMulti depuis quelques années. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'en vient aussi dans le cadre du festival. Euh... Ici, c'est une œuvre sonore de l'artiste montréalais Jean-Pierre Aubé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu leur tra le travail ou est-ce qu'on parlait des formes différentes là, de comment de... Save the Wave, c'est une façon de rendre audibles les champs magnétiques qui traversent autour. C'était vraiment une installation où Jean-Pierre utilisait les ondes magnétiques qu'il y avait à Médus et tout en direct, alors qu'on pouvait entendre ce qu'on ne voit pas, qu'on sait qui est toujours présent. Ensuite, ici, hein, c'est des projets euh, fabuleux de la compagnie Aki euh, White Cabin. Il y avait aussi Plug and Play. Ça c'est un projet que, Oui, faisceau d'épagne de verre. C'est un projet d'ailleurs qui a été fait ici en collaboration, qui avait été créé ici au Lentis, si je ne m'abuse. Tout travail à partir des voix de synthèse euh, avec un logiciel de voix de synthèse qui avait été développé par Philippe Pasquier, qui avait pris une faisceau. Faisceau d'épagne de verre, c'est une pièce de Claude Gavreau qu'ils avaient mis en scène avec un dispositif de voix. Ils par la porte. Oui, c'est vrai, c'est Christin qui avait fait Martin Renault, était un des directeurs artistiques. L'idée Big Eye Group, une compagnie de New York, avait présenté en, donc en 2006 House of No More, qui est une performance vraiment inspirée de l'univers David Lynch, où on était, on travaillait avec le, la vidéo en temps réel. Avec les incrustations, l'écran vert, incrusté dans, dans, dans le décor. C'est une performance d'épiderme, le, le feu du jour Scott plus Les artistes ne travaillent plus ensemble, donc des performances immersives dans lesquelles on était au sol avec une projection dessus. Ensuite, à ah. Edwin van der Heide, un artiste sonore d'épaises. LSP, laser and sound performance. On est vraiment dans le type de perdre un travail très, très fin d'utiliser le laser. Euh, le flux lumineux du laser est contrôlé par le son. Alors C'était euh, de rendre visible aussi le laser dans un univers euh, de fumée où euh, la composition sonore faisait vraiment la pulsion lumineuse. Euh, très, très, euh, très, très belle performance. Fragment 2, de Caroline Ross, euh, une artiste de Québec qui travaillait sur. C'est une artiste qui travaille beaucoup, une conceptrice d'éclairage, qui travaille beaucoup avec la lumière et la vidéo, qui a travaillé tout un principe de fragmentation d'images vidéo dans le cadre de ce projet-ci, avec le comédien Gabriel Gascon. On vient de voir un petit extrait d'Espèces et, euh, et Espèces, une installation vidéo et. Motorisé et sonore de Emil Marin et Jocelyn Robert. Comme là, ici, on voit une installation, inter... une installation interactive d'artiste japonais Seiko Mikami Sotei Ishikawa. Euh, c'est tout un parce que en, dans la, la recherche artistique, ce que je, dans les, euh, un peu les trois grands vents, dans les, le rapport à la technologie que peuvent avoir les artistes d'aujourd'hui, j'ai toujours vu un peu trois grandes, euh, je vois trois grandes tendances souvent dans leur rapport à la technologie, dans leur utilisation. Je vois l'artiste technologue, c'est-à-dire l'artiste qui est lui-même concepteur, le bidouilleur, le, le, le maître de vraiment de sa, de sa conception, de l'invent, c'est son inventivité qui va récupérer des outils existants, qui va les détourner, qui va carrément les créer. Il y a l'artiste que je qualifierais plus de maître d'œuvre, euh, qui va donc travailler lui avec des techniciens, des technologues, des concepteurs pour mener à même son idée. Alors, on voit ça dans plusieurs projets, ouais. qui n'est pas lui-même euh, en contrôle de ses études techniques, mais qui va travailler des collaborateurs. Puis il y a une mouvance aussi ces dernières années que j'appellerais la, la mouvance art-science, où on voit beaucoup là, des artistes qui travaillent avec des scientifiques dans des façons plus ou moins organisées, mais des fois, ça peut être carrément dans des contextes universitaires, institutionnels. C'est euh, vraiment l'avènement. Il y a des compagnies, des artistes qui travaillent vraiment. La frontière entre art, recherche artistique et recherche scientifique devient très ténue aussi. C'est pour ça que je pensais à ça en disant, parce qu'en montrant en ici, c'est l'artiste C'est Seiko Mikami, l'idéatrice du projet, Satoshi Ishikawa, euh, programmeur, concepteur, mais ils ont travaillé avec un... Euh, un, un, un centre d'art et, et sciences qui existe au Japon, qui, vraiment le, qui finance des artistes, des projets artistiques, hein, des développements assez considérables. Alors ça, c'est une installation qui était composée de tuiles au plancher. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Euh, de tuiles de tuile, euh, qui... Qui avait des tuyaux avec de l'eau dedans qui faisait avec le, avec le passage du visiteur faisait, avait une influence directe sur la vidéo qui faisait bouger des vagues. Alors, il y avait, avait l'impression que c'était des fils qui bougeaient, mais c'était de la projection vidéo qui bougeait. Ici, on a Sonic Bed de Keith Tew, qui est une installation sonore couchée dans le Puis j'avance un peu plus. Parlons de recherche scientifique avec un artiste de Robotic Chair, ici, de Max Dean, qui est une chaise Une œuvre très très... Très chouette. On L'attachement aux objets se passe aussi dans le cadre de performances comme celle-ci, où on voit une chaise qui, j'ai malheureusement pas la boucle au complet, la chaise est en place, elle se défait, flac, et les morceaux comme on voit ici se ramènent, se peu à peu. Et pour refaire la chaise, c'est euh, fantastique, Il ouais, n'y a pas d'autre terme que ça. Il avait travaillé avec plusieurs techniciens pour le faire. Ouais. Et puis zo. Et euh, Pierre Mamrana. Euh, Roca fait partie d'un collectif, il faisait partie des artistes fondateurs, si je me rappelle bien, d'un co célèbre collectif d'art multidisciplinaire euh, que de Kat de Barcelone. Robert, tu vas me rappeler le nom? J'ai un blanc de mémoire. Monsieur euh, Fagy? La Fourrere d'Albas, C'est ça, voilà. On a la forêt d'Albas, il est parti du collectif. Maintenant, il fait ses projets, mais il travaille vraiment. C'est des appendices euh, te techniques, technologiques qu'il développe avec son corps pour euh, influencer sur l'univers qu'il va créer autour de lui. Une œuvre ici de la, la Reactable de Sergi Jordan. Quand on parle de développement technologique par les artistes, on était ici avec une table où, où on, le spectateur peut. Est une, on a juste des grands plans ici, mais c'est une table euh, interactive avec des différentes pastilles avec des symboles dessus qui vont provoquer en son différentes lumières. Alors, le, la personne qui manipule les objets peut décider de faire une composition euh, sonore et lumineuse sur cette « Reactable ». Stéphane Glaszewski, un artiste, euh, chorégraphe, danseur de Montréal qui a travaillé beaucoup pour développer des performances avec le « corps », je n'ai pas de vidéo ici de lui. De, le, les relations entre le corps et la vidéo. Il a en trop développé toute une technique avec une, des caméras thermiques pour travailler avec le chaud, le froid du corps pour, dans le cadre de ses performances. Pour finir un petit peu, je voulais juste terminer avec, parce qu'on en parlait un peu plus tôt, de la performance de Julien Maire ici. Il y a quelques images Julien avec OpenCore. Julien, on parlait, je parlais tout à l'heure de l'artiste, cette idée de l'artiste technologue. Julien en est un très très bon exemple. C'est un <coughs> fabuleux bidouillard bricoleur qui invente et réinvente ses objets. Ici euh, Julien a utilisé la vidéo, aux différentes techniques de projection mais Julien a fait horreur de la vidéo avec Open Core. C'est une entreprise de catastrophe contrôlée. De... C'est une performance de destruction de ce que c'est que l'objet vidéo, de détournement de la vidéo pour aller de nous montrer comment fonctionne l'entrelancement de la vidéo jusqu'au point d'aller dé démolir une caméra vidéo pour aller jusqu'au cœur de la matrice de la caméra vidéo. Alors, c'est le... le type de travail parce que Julien fait des travaux de projection où est-ce qu'il va recréer, détourner et refaire des outils de projection dans le cadre de ses projets d'installation de performance. Alors, euh, un peu ce que je voulais parler, de différents projets. Alors, en tout cas, je pense qu'on a vu des exemples d'une grande diversité. Hein. On est loin de, du modèle dominant euh, dont Jocelyn parlait tout à l'heure. C'est quand même euh, extrêmement vaste comme euh, type de, de production. Alors, on va enchaîner avec la dernière intervention avant de passer donc à l'échange. Et c'est Robert faggy que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'il est chercheur évidemment, directeur du Lantis depuis, euh, depuis ses débuts, fondateur du Lantis, non? cofondateur fondateur Co d'accord c'est vrai c'est plus correct euh, professeur au département de littérature de l'université Laval directeur du programme de théâtre de l'université il travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la création artistique multidisciplinaire dès 85 par exemple il réalisait des expériences d'intégration médiologique à la scène à partir de 2003, il a coordonné la mise en place du lentis et en 2007, en collaboration avec des partenaires scientifiques, en robotique, en vision numérique, en physique optique, par exemple, il dévoilait un prototype de castelet électronique, cette maquette de salle de spectacle avec scène mobile qu'on a pu voir dans la salle voisine tout à l'heure. Alors voilà, Robert, c'est à vous. Merci beaucoup. Euh, moi, je n'ai pas d'image, donc on va laisser ça open source. J'aime hein, bien l'aspect destructeur un peu de la chose. Euh, malgré que le lentis, ben, euh, alors c'est le laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène. Euh, fondé en 2005 donc euh, par Louis Tenon et moi j'étais le coordonnateur à la mise en place et un peu l'idéateur du projet dans la mesure où, euh, un peu comme Jocelyn disait, je pense que le, le paradigme était intéressant, est intéressant c'est que la, la vision universitaire fait en sorte de séparer les choses. Euh, on a des facultés, on a des, des disciplines, la question disciplinaire hein, c'est quelque chose d'important et tout est, je pense que l'exemple que Jocelyn donnait tantôt c'était un appel vers l'interdisciplinarité c'est à dire on veut savoir ce que l'autre fait, pas pour le lui voler nécessairement mais pour pouvoir collaborer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir créer des liens. Et donc, le Lentis devient une, une grande agence de rencontre. Euh, et l'agence de rencontre, à vrai dire, elle se fait beaucoup plus à travers des laboratoires ici à l'université. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'adopter une, une formule laboratoire pour permettre à ce moment-là à, à la fois des, euh, des, des chercheurs-créateurs, même si le terme est assez récent dans l'appareil dans universitaire et même euh, au point de vue institutionnel, euh, c'est quand même une, une nomination assez récente que ce terme-là de, de chercheurs-créateurs, mais au moins, je dirais, entre l'artiste, hein, euh, tu parlais d'art et science, mais c'est justement, et des scientifiques, deux cultures différentes, donc deux approches de voir un problème euh, souvent différents, et ici, on se disait, ben, on va être un lien entre les artistes. Et c'est pour ça que dès le départ, le laboratoire a eu des partenaires artistiques, dont Avatar, euh, Jocelyn était le président à l'époque, et euh, aussi Ex Machina, euh, avec des laboratoires scientifiques comme le laboratoire de robotique de vision numérique. Et ici, on est un espèce de centre où on essaie d'avoir des infrastructures à la fois d'espace. On a quand même des studios, on a des facilités où les artistes peuvent venir expérimenter et à ce moment-là aussi faire en sorte de développer éventuellement des projets. Euh, un peu plus élaboré. L'artiste bidouilleur, c'est quelque chose qui, est, qui pour moi est fascinant parce que mais c'est quelqu'un qui, qui qui est un peu autonome, c'est-à-dire il s'auto-suffit d'une certaine façon. L'exemple de David Roby est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tu le regardes et il y a les deux pensées, il y a une pensée artistique et une pensée technologique. Et à vrai dire, c'est assez fascinant de voir que si toi tu es trop artiste, il va t'amener sur le terrain de la technologie, puis si tu deviens trop technologique, il va tout le temps te ramener sur la question artistique. Et la question de l'échange devient à ce moment-là euh, le, le terrain. Où on peut faire cette dynamique-là. Alors, pour moi, c'était intéressant de penser le lentiste dans cet espace d'échange-là entre les arts et les sciences. Deuxièmement aussi, entre, étant donné qu'on est à l'université et tout le temps la question théorique est importante, le rapport entre la théorie et la praxis, donc la, la, la pratique, ça, cette façon de faire. c'est pour ça que les artistes ici ont un programme où euh, on peut accueillir des artistes en résidence et quelquefois, il y a du monde qui peut venir observer également, regarder qu ce qu'il y en est. Et prendre le temps d'expérimenter, de, de, de se casser la gueule. L'échec, pour moi, est une dimension importante dans la mesure où ici, en expérimentation, on dit que souvent une expérience scientifique, elle est réussie lorsqu'il y a un résultat au bout du compte. Et le résultat, c'est pas nécessairement la confirmation de l'hypothèse, ça peut être aussi sa négation. L'expérience est réussie dans la mesure où on a un résultat, c'est oui ou c'est non. Alors ici, ça devient le terrain où on peut faire ce genre d'expérimentation. Ça. Là, sans avoir nécessairement la problématique de la production et de la diffusion qui s'en vient. On est donc en amont beaucoup des productions scientifiques. L'artiste, comme exemple, le, le, le mois prochain, il y a l'orchestre d'Homme orchestre de qui arrive ici. C'est probablement euh, dans sa composante théâtre euh, rue d'ingénierie. C'est quelque chose qui va probablement, euh, un projet qui va déboucher peut-être dans deux ans, mais ils viennent ici euh, juste expérimenter une certaine phase. On travaille en laboratoire, on travaille des premières phases d'expérimentation et à ce moment-là, on valide, à ce moment-là, de nos foi souvent technologiques. Alors, toute la conception ici du laboratoire, c'est faite de cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on a des technologies assez avancées, mais aussi on a des technologies où on va pouvoir travailler assez facilement avec peu de moyens. Et on travaille toujours dans les doubles paradoxes. La question théorique, c'est qu'il y a du monde qui vient et qui réfléchit à cette question-là. Et c'est pour ça qu'on a développé un peu trois axes, et c'est intéressant parce que les projets qu'on a vus, ça, ça, ça documente un peu ces trois axes-là. On a parlé du Castelet, c'était un premier projet de rencontre. On s'est dit « Ah, tiens, on est partenaires, c'est le fun, qu'est-ce qu'on fait? » Et on a a décidé de faire un premier projet qui était le Castelet. et c'est le fun parce qu'il y a un artiste qui ben oui qui, qui travaillait dans le cirque et mais qui était ingénieur aussi ben, c'est pas de sa faute <laughs> et donc il y avait un autre métier et donc qui, qui qui était un étudiant à la maîtrise et qui donc a réussi à bien comprendre l'esprit de ce qu'on voulait à travers cette scène-là mobile du Castelet électronique et donc c'est à travers justement des étudiants qui 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 sont dans des domaines disciplinaires mais qui ont toujours le, le, le goût d'aller euh, voir un petit peu à côté qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'on a ces deux sensibilités-là, c'est là que les rencontres se font. C'est pour ça que ça a devenu intéressant, comme le Castelet à mon avis, n'aurait pas pu se faire sans ces rencontres-là, sans ces, ces personnes-là qui sont toujours ouvertes à d'autres manières de faire. Et ça, c'est un projet rassembleur. Et dans ce sens-là, les nouvelles technologies, même dans le numérique, pour moi, c'est ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est que on parle d'un même code, c'est-à-dire on, on a un alphabet maintenant commun qui est le 0 puis le 1. Et juste avec cet alphabet-là, on peut parler divers langages, bien sûr, mais à quelle part on est capable de communiquer ensemble parce qu'il euh, y a de la programmation qui se fait et on se comprend dans le code. Alors que bien avant, ce qu'on appelait de nouvelles technologies à l'époque, c'était même avant la, la, la question du numérique. Bien là, il était juste des questions de, de réseau, d'essayer de, de voir comment les affaires circulaient, d'électronique. Mais là, à ce moment-là, ça prenait vraiment un artiste vraiment bidouilleur, un peu connaisseur, je dirais, pour faire ce, je dirais, ces expérimentations-là, parce qu'il y avait un domaine où la science avait un peu sa manière de voir. Maintenant, l'informatique, je dirais, veut, veut pas, il y a une certaine démocratisation de l'affaire, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, lorsqu'on veut avoir une idée, lorsqu'on veut développer quelque chose, quelquefois, euh, on va se dire, oui, mais là, ça prend des moyens, ça prend de la collaboration. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici, c'est des œuvres un peu collaboratives. Alors, participatives des fois avec le spectateur, mais aussi collaboratives dans sa, dans sa façon de faire. Et ça, moi, je pense que la, la technologie numérique, c'est ce qui a ce qu'elle a apporté à l'art, à, à c'est cette, euh, cette ouverture-là où on peut, à un donné, parler assez bien ensemble. Alors, les, les, les techniciens qui sont ici, au Lentis, par exemple, c'est des artistes avant tout, ils étudient dans des programmes d'art, mais facilement, ils peuvent très bien comprendre des programmeurs euh, en informatique ou euh, en génie électrique, tout ça. Et donc, on a cette relation-là où on, on commence à parler un même langage, tout ça. Alors c'est intéressant, alors on a développé bien sûr la mécanique de scène et ensuite on a développé surtout tout l'aspect. Ce qui nous intéresse ici, c'est la diffusion. C'est la, la question de, de, de la transmission dans un espace qui est là, qui est vivant, qui est direct et entre un corps et aussi un univers un peu plus virtuel. Donc le rapport entre le réel et le virtuel. Le virtuel étant peut-être, oui, une image euh, comme ça sur PowerPoint, peut être un son également. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui est intangible dans la mesure où ça nous rappelle... Cette, cette matière-là, elle a déjà existé, elle a déjà été dans un autre espace, dans un ailleurs. Le son, on ne le voit pas, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut bien percevoir également. Alors, le rapport entre un corps concret... Qui est, qui est vraiment réel. Et ces univers-là qu'on qu pourrait dire un peu plus virtuels, c'est ce rapport-là qui, qui, qui est vraiment au cœur de l'affaire. Et lorsqu'on parle d'art interactif, c'est justement de créer probablement une interface entre les deux dans lesquelles les deux vont communier et dans, dans lesquelles les deux vont pouvoir à ce moment-là partager, amener une expérience et dialoguer. La question de l'interactivité, c'est la question du dialogue, d'un système ouvert dans lequel l'un peut influencer l'autre. Alors c'est ça qui est, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu as donné, Jocelyn, c'est que... Justement, on s'attend toujours à ce que la technologie soit en réponse. On fait une action et on a une réponse. Mais ensuite, c'est de dire, ben oui, mais si moi, je, à ta réponse, je l'écoute, puis j'ai une autre réponse. Est-ce que toi, tu es capable de construire là-dessus? Et on est dans un domaine de collaboration, de construction. Et là, à ce moment-là, c'est là que la programmation ou les manières de voir euh, la chose deviennent de plus en plus complexes. On est dans la, vraiment dans, dans, dans des approches beaucoup plus de complexité dans lesquelles on va élaborer ensemble euh, une série de paramètres, mais où l'artiste, à un moment donné, même au départ, peut être complètement dépassé par tout l'univers qu'il peut mettre en, en relation. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que depuis les, bon, les 20 dernières années, dans lesquelles, ben, justement, au mois multi, avant ça, il y a eu d'autres expériences également qui se sont faites, euh, on est encore au stade expérimental. On, est, on, on expérimente encore cette relation-là entre, je dirais, la. Bon, la machine et euh, le corps. On est encore à établir ce langage-là, mais depuis quelque temps, je pense que là, il y a, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui s'embarque, c'est-à-dire que là, on est dans un amène un petit peu plus participatif. Les nouvelles technologies, par exemple, font en sorte que... Euh, on est capable de, de prévoir, de, je dirais, de prévoir des concepts dans lesquels on n'est pas capable de voir tout à fait qu'est-ce que ça va donner. Dans la mesure où maintenant, avec les iPhones tout ça, chacun est capable de pouvoir interagir avec des éléments de la représentation. Alors, les systèmes qui sont là font en sorte de cartographier un peu un ensemble de données, et euh, nous autres, euh, c'est-à-dire comme comme participateurs. Participant, par exemple, ou laboratoire, c'est qu'on peut participer bien sûr à l'œuvre, mais là, ça dépasse un peu parce que, par exemple, comme l'année passée. Euh, j'ai été à Rennes et il y avait une, une projection, un peu comme le moulin image, sur le Parlement de Bretagne. Et à la fin, bon il y a une présentation, 20-25 minutes. Euh, et donc, c'est une projection architecturale, ce qui est absolument incroyable. Je ne sais pas, peut-être j'ai du temps, je vais vous parler un peu de la projection après. Mais ensuite, ce qui était assez incroyable, c'est qu'après ça, avec l'iPhone, tout le monde était capable de faire lui-même son animation sur le Parlement. Donc, d'envoyer des, des fusées, d'envoyer... Ben, bien sûr, il y a une programmation d'avance. Mais à quelque part, ça demande... <laughs> je, je, je parlais avec les, les initiateurs et là, c'est dire, ouais, mais s'il y a 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 personnes qui sont là en même temps dans le canal et on se dit, tiens, ça devient un gros mixeur. Là. Tu sais, un mixeur vidéo à l'époque, c'est quatre voies maximum dans lesquelles tu peux penser, plan, prendre des affaires. Puis là, il y a 1500 personnes. Alors là, ça change un petit peu les paradigmes dans la façon de faire. Et c'est ce pour ça que c'est encore expérimental, parce qu'il faut le faire une fois, deux fois pour s'apercevoir qu'est-ce qui est possible. Mais imaginons que dans quelques années, on puisse créer vraiment un système dans lequel tout le monde collabore. Et là, ça devient quelque chose qui, qui va se construire ensemble. Alors, ça, c'est un peu, je m'écarte complètement, j'ai plus mes feuilles, mais ça, ça fait en sorte de, de créer pour moi des, 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 des paradigmes intéressants. J'essaie de, 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 de faire l'eau un peu, ou bien l'eau le, sur l'huile, sur le feu, ça va aller bien. Là, ça... Hein? On, 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 ah, ouais, ouais, donc on clash un peu l'affaire. Euh, alors, ça, c'est euh, des dimensions intéressantes, et, mais à quelque part, il faut le, le commencer euh, de façon souvent restreinte en laboratoire pour au moins regarder comment se passe l'interaction. Alors, c'est pour ça ici, c'est un espace qui a besoin de public. C'est pour ça que la salle ici elle a le besoin quelquefois d'expérimenter devant le public dans les mesures où on doit comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que la question théorique est intéressante parce qu'on peut expérimenter, on peut regarder, on peut revenir. Et il faut se donner ce temps-là pour le faire. Juste pour voir. Oh oui, oui, sept minutes à peu près. OK. je vais vous raconter une petite anecdote. C'est-à-dire, euh, j'ai été artiste à un moment donné. Je suis devenu euh, plus dans le... Hein? Ça s'est soigné. Oui, ça s'est soigné. <laughs> euh, je suis devenu professeur. Là, je retourne un petit peu à l'artiste. Puis, à vrai dire, ce qui est intéressant, bon, euh, on a eu une troupe de théâtre qui s'appelait Arbeau Cyber Théâtre. Et avec Lucie Faradette, on a fait un site web commémoratif. Et ça m'a permis de revenir un peu sur, sur la pratique. Et là, je me suis dit, ah ouais ben c'est ça. On avait des... Dans... On avait des idéaux, des idées. Alors, tu sais, quand on est artiste, on, on, on dit les nouvelles technologies arrivent, la nouvelle technologie arrive. qu'est-ce qui arrive là tu sais, Et à vrai dire, mais c'est justement, c'est que je me suis permis à un moment donné de faire une maîtrise, hein, de dire ben écoute, euh, je vais réfléchir à la question de le théâtre, les espaces virtuels. Euh, les espaces virtuels, en voulant dire que le théâtre, euh, bien sûr, on est confiné dans un espace, mais on aimerait ça à un moment donné connecter avec l'extérieur. Et euh, à un moment donné, il est arrivé une technologie, le sans fil, tu sais, c'est ex extraordinaire. On est capable de sortir de la pièce avec un microphone tu, sans fil. Et donc, on est capable de, de, de traverser et de faire en sorte que l'imaginaire du spectateur continue à l'extérieur de la pièce. C'était assez bien. Des années 80, le cellulaire est apparu, on s'est dit Wow, là, on peut aller un petit peu plus loin que le cellulaire. Là. À l'époque, c'était la grosse batterie, c'était le gros téléphone, là, puis euh, alors on avait trafiqué un peu le téléphone, puis il y a une performeur qui partait, puis qui s'en que allait dans la rue, qui s'en allait faire des actions, et qui retransmettait son son, puis on écoutait, puis là, on était un peu connectés. On avait le téléphone, on appelait du monde aussi, c'est-à-dire encore la, la vieille méthode des réseaux extérieurs était là, puis on essayait d'apporter ces éléments-là. Mais on rêvait, moi je rêvais de dire Oui, mais c'est le fun, le son. Mais on rêve-tu à un moment donné de sortir avec de la vidéo, de dire Écoute, on est là, on, on partage quelque chose ensemble, mais à un moment donné, on va sortir à l'extérieur, puis on, va, euh, on aimerait ça présenter ce qui se passe à l'extérieur et qu'on ait une communication nous-mêmes avec un espace et un autre espace. On l'a attendu longtemps. Euh, il y a des troubles de théâtre, carbone 14, etc., qui ont fait des spectacles avec des faux sans fil, c'est-à-dire on sortait, puis il y avait les caméras bien sûr avec fil, et là on truquait l'affaire, on, on coupait, puis on disait on s'en va à l'extérieur, on revient, mais c'était faux, c'était pas. Hein? La représentation avait lieu le jour, puis il y avait filmé le soir, fait que ça marche pas du tout là, tu sais, en termes d'espace-temps. De, et c'est là qui est intéressant parce qu'on change un peu les paramètres de l'espace et du temps. Et petit à petit, ben c'est ça. J'ai arrêté un peu de faire la, de la vidéo, mais en même temps, ce que je trouve maintenant extraordinaire, ce que je vois comme, par exemple, en euh, ce euh, Super Night Shot de, de Gob Squad il y a quelques années, mais c'est qu'on est capable de ramener l'extérieur à l'intérieur de la représentation. c'était été filmé une heure avant, ok, mais on est connecté avec cet espace-temps-là dans mesure où, justement, on, on, les 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 performeurs arrivent, ils viennent juste de filmer leur performance pendant une heure de temps. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, et ensuite ils nous représentent. Qui, ont, qui viennent juste de filmer dans la ville. Et là, on reconnaît du monde, on reconnaît des gens, on reconnaît des espaces, on reconnaît le temps qui se fait à l'extérieur, on se reconnaît parce qu'ils nous filment en rentrant dans l'espace de représentation, puis on se voit à un moment donné parce qu'on attend le spectacle qui commence. Puis, euh... Et donc, là, à ce moment-là, on est capable d'établir une espèce de boucle, mais ce n'est pas encore du temps direct. Et là, maintenant, ce qui arrive, c'est que qu'on est vraiment au cœur des réseaux, on est capable de voir à ce moment-là que... Le, je dirais le, le, la performance peut se faire aussi en connexion avec des caméras. Le problème, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Et c'est là la posture, à mon avis, intéressante, parce que l'artiste, on parlait tantôt un peu de l'intention, c'est de dire « Ouais, tout ça est possible, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? » Moi, je l'espérais pendant des années, par exemple, comme artiste. Ça arrive, puis bien sûr qu'on pourrait l'exploiter à ce moment-là, et probablement qu'on ira concouru aussi. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui, à un moment donné, ont appelé des technologues, et ont, appelé des, des, et ont développé leur propre bidouillage parce qu'il y avait vraiment une intention artistique. Mais maintenant, il arrive aussi que les technologies sont là, mais les technologies... La technologie évolue tellement rapidement, donc deviennent déjà anciennes au bout d'un an. Mais à ce moment-là, les, les artistes ne suivent presque pas la cadence, en disant, en réalisant des expériences, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, c'est sûr qu'on est dans une espèce de paradigme assez intéressant où est-ce que bien souvent les artistes ont, ont, ont espéré puis ont talonné, puis les expériences des années 60, par exemple, avec les laboratoires scientifiques de Bell, par exemple, où il y avait des artistes qui développaient la technologie pour les compagnies euh, et donc qui poussaient les, les machines, les synthétiseurs, les euh, vidéos, par exemple, ont été développées vraiment par des artistes, mais à travers ces, ces, ces formidables appareils universitaires-là ou des centres de recherche, même privés. Euh, c'est ça qui était intéressant de voir mais maintenant euh, là les projets sont là et la planète évolue rapidement c'est un peu ahurissant et c'est ça qui est le fun de voir et c'est là que ça ramène pour moi comme formateur comme comme espace de recherche création le fait que on devrait dire, maintenant, comme artiste, on a une certaine responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, le regard qu'on a, tout le monde va exploiter la façon de se dire, je communique à mon voisin avec la vidéo. Mais ensuite, le projet artistique, qu'est-ce qu'il peut être pour faire quelque chose ensemble? Et ça, pour moi, là, on est, on est encore dans un domaine, là, une friche absolument incroyable. Euh, là, la technologie devance un peu la, la pensée artistique. Bien sûr qu'il y a un paquet d'exemples qui se font. Mais... Je dirais, c'est des exemples encore qui se font un peu à l'extérieur des, des, des courants ou des réseaux institutionnels. Tout ça. Donc, euh, j'ai dévié un peu, mais en même temps, j'ai dit l'essentiel parce que c'était un peu la position de l'artiste par rapport à, à la technologie. Alors voilà, merci encore, merci beaucoup et merci à vous. Bonne fin de soirée.